peut-être comme ça que Goebbels essayait aussi d'attaquer les juifs, comme maintenant certains attaquent les musulmans. Alors, on parle ici de journalistes de la RTBF. Est-ce que vous osez la comparaison avec Goebbels? Ben, je trouve qu'ils se sont comportés dans cette émission d'une façon qui est une pure manipulation de l'information. Soyons un peu honnêtes, est-ce que vous allez comme ça considérer dans 10 ans que je suis encore responsable de ce qui se passe? Depuis trois ans, ils sont au pouvoir. Vous savez que 3 ans, c'est quasi une ancienne législature. Les libéraux sont au pouvoir, ils se cachent maintenant. Derrière moi, parce que c'est eux qui n'ont rien foutu pendant 3 ans. D'ailleurs, une petite remarque, très simple. Moi, très simple. Quand j'étais pour maître, il n'y a jamais eu d'événement de ce genre. Jamais. Très simple. Je fais simplement le constat. On dit que c'est moi. Alors qu'il n'y a rien eu d'événement de ce genre. Ils ont le bourgmestre depuis 3 ans. Ça voudrait dire que le bourgmestre ne fout rien. Que Mme Skettman, c'est une nullité. Oui, que les autorités communales ont des services spéciaux. Oui, ils ont des informations. Moi, j'en avais sans doute plus parce que j'étais plus proche de la population que le pouvoir actuel. Vous ferez d'ailleurs remarquer que quand j'étais bourgmestre, il n'y a eu aucun des événements dont on parle aujourd'hui. Il n'y avait pas d'âge. C'est évident, très simple. Madame Skettman, c'est une nullité. Ce que j'avais perçu, c'est certaines sympathies très minoritaires, mais tout de même très, très inquiétantes pour Ben Laden. J'ai combattu comme je pouvais. Moi, très simple. Madame Skettman, c'est une nullité. Aucune responsabilité, que ceux qui ont des responsabilités, qui essaient bien sûr de m'utiliser comme une feuille de vigne pour cacher leur incurie, que eux s'expliquent.